dentition de bébé et remèdes maison. Tous les parents se sont un jour ou l'autre demandé s'il existait un moyen de se débarrasser des sensations douloureuses associées à la poussée dentaire. Ce n'est pas quelque chose d'impossible, mais apporter le confort auquel votre bébé aspire peut être une période très éprouvante de votre vie. La douleur que ressent votre enfant n'est jamais facile à corriger, mais vous allez sans doute penser que c'est impossible sans utiliser des médicaments extrêmement puissants. Aider votre bébé ne doit pas être futile, mais il existe de nombreuses options intéressantes à explorer. Votre première option devrait être d'essayer de trouver quelque chose de difficile à mâcher pour votre bébé. Il existe plusieurs types de biscuits qui ont été créés à cet effet. La dureté du biscuit contribuera à calmer la douleur, et constituera également un excellent cas pour votre bébé. Il est important d'utiliser des biscuits spécialement conçus à cet effet pour obtenir les meilleurs résultats. Une autre option consistera à utiliser des anneaux de dentition. Il existe de nombreux types d'anneaux de dentition différents. Ils fonctionnent bien lorsqu'ils sont congelés et placés dans le congélateur. Il est préférable de les garder dans le congélateur jusqu'à ce qu'ils soient complètement congelés, car ils offrent le plus de confort. Une autre solution consiste à utiliser un gant de toilette propre et extrêmement froid. Prendre une bouteille d'eau très froide et la donner à votre bébé peut également être extrêmement efficace. Elle apportera un peu de confort à ses gencives et vous permettra d'apaiser sensiblement l'inconfort qu'il ressent. Vous pouvez également utiliser une tranche de pomme extrêmement froide pour votre bébé. Cela permettra souvent à votre bébé de ne pas se préoccuper de l'inconfort pendant qu'il essaie de déterminer exactement ce qu'est la pomme et de la manger. Cela peut vous aider à réduire réellement sa gêne, simplement en le distrayant. Vous pouvez également envelopper la tranche appliquée dans un petit gant de toilette, s'ils sont trop petits pour manger la pomme. Une autre option consiste à prendre un gant de toilette très froid et à l'enrouler autour de votre doigt. Vous l'utiliserez ensuite pour frotter doucement les gencives. La pression exercée sur les gencives est souvent suffisante pour réduire réellement la douleur ressentie, tout en offrant à votre bébé un remède très naturel à sa douleur. Veillez toutefois à ne pas frotter trop fort, car vous risqueriez d'aggraver l'inconfort de votre bébé. Avec un peu de patience et de calme, vous pouvez contribuer à apaiser la douleur de votre bébé sans avoir recours à des médicaments. Il n'y a aucune raison pour que vous utilisiez de l'alcool ou des médicaments pour votre bébé pendant qu'il fait ses dents. Vous serez heureux d'avoir essayé un remède maison naturel et sans danger, qui vous permettra d'obtenir les meilleurs résultats pour votre bébé tout en le soulageant au maximum. Vous pouvez imaginer à quel point votre bébé sera heureux une fois que la douleur aura cessé. De plus, cela vous permettra de vous soulager un peu, car un bébé qui fait ses dents n'est jamais très amusant à gérer. Si vous avez aimé la vidéo, faites un pouce en l'air, laissez un commentaire et partagez-la avec vos amis. Nous vous remercions beaucoup d'avoir regardé. Pour plus de conseils en matière de nutrition, de santé et de beauté, veuillez vous abonner à notre chaîne.